C'est une question très intéressante parce que c'est pas du tout un hasard. En fait, depuis quelque temps, je goûte des Cahors puisqu'il y a l'expérience Cahors Malbec qui aujourd'hui se développe en France, et il est arrivé de goûter de nombreux Malbec différents dans de nombreux endroits avec des accords mets-vins parfois un petit peu sortant de l'ordinaire. Et j'ai trouvé qu'il y avait à Cahors une espèce de renouveau vraiment, des nouveaux vignerons qui produisaient des Cahors un peu plus souples et d'autres vignerons qui produisaient des Cahors à l'ancienne entre guillemets, mais qui les laissaient vieillir et qui les vendaient lorsque les vins étaient prêts à boire. Je trouve que cette appellation est très intéressante. Le Malbec, c'est un superbe cépage. Et étant donné l'effervescence qui règne aujourd'hui dans ce vignoble, je pense que c'est un vignoble d'avenir. Et je tenais à emmener mes concurrents justement voir cette effervescence, voir que ça bouge vraiment à Cahors.